Et salut à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue à tous dans la suite de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Dans l'épisode précédent, nous avons visité, on va dire, un énorme trou dans lequel on a découvert qu'il y avait une nouvelle map sous la map. Et ça, c'est juste incroyable. Nous nous dirigeons, suite au vote du chat, vers le village des Piafs. Et pour ceci, nous devons traverser ce désert aride jusqu'à y arriver. Ça risque d'être compliqué, mais on va peut-être y arriver. Bon, allez, c'est parti. Toi, Ruby Chan, tu vas me faire un truc électrique. Oh boy. Oh non, l'épée est tombée. Oh non, c'est tombé. Attends. Les bros. Ouais, stop. On va prendre ça. Oh mon dieu, j'ai raté. Il est mort l'autre? L'autre est mort les gars. Amalgame. Et c'est parti. Let's go! Woot woot woot! First try! First try, les amis! C'est pas facile, hein. Je vais vous dire, c'est des années d'entraînement. Des années d'entraînement, franchement. Incroyable. Est-ce qu'on peut faire des armes comme dans le premier? Non! Mais on peut faire des. En fait, toutes les armes du jeu, faut savoir que par rapport au scénario, toutes les armes du jeu ont été abîmées et corrompues par le grand méchant. Du coup, ce qui se passe dans ce jeu-là, on peut maintenant renforcer les armes, c'est-à-dire qu'on prend une arme un peu dégueulasse et on la renforce avec un élément du décor ou alors avec un élément de monstre et ça peut devenir, de ce fait, une arme un peu plus puissante. Selon l'élément de monstre que tu utilises, bah, c'est plus ou moins, on va dire, c'est plus ou moins solide, quoi. Ou il y a plusieurs, plus ou moins une grosse attaque, tu vois, des trucs comme ça. En fonction, vraiment en fonction de... Par exemple, j'ai tué une espèce de bébête zombie là. Et ce bébête zombie me donne, a priori, plus 47 de dégâts sur les armes sur lesquelles je les mets. Sauf que ça se casse directement, donc c'est juste pour un seul coup. Oh mon dieu, ces armes n'ont pas été corrompues. Bouclier du soleil. Alors, on va jeter ça. Incroyable. Alors du coup, je vais monter... Ouais, zéro mort les gens. J'ai vu quelqu'un qui avait commenté sur la vidéo qui a été publiée sur, sur YouTube, qui a dit « Ouais, le jeu il est bien, mais c'est dommage qu'il y a ce système de fusion d'armes. » Et je suis en mode « Mais c'est trop bien en fait de pouvoir fusionner son arme partout. Ton nez s'est allongé. » Comment ça mon nez s'est allongé? J'ai pas un gros nez? Alors, du coup, en face de moi, j'ai la fameuse tour. Elle est là. Elle est là. Alors, est-ce que je peux diminuer un peu la sensibilité Parce que maintenant que le jeu est un peu plus fluide, j'ai du mal à viser. Est-ce qu'il y a un déplacement blanc? C'est bon ça? Ouais, ça devrait le faire. Alors, je vous montre. Ceci s'appelle l'échelle 2.0. Cette échelle a été créée par le Seros. En 1987. Grâce à ça, je peux aller... Oh oh.
je peux aller à des endroits qui étaient auparavant inaccessibles. Le seul problème, c'est que je dois me le trimballer un peu partout avec moi. Il est pas forcément très facile à porter, tu vois. Oh mon dieu, regardez, il y a un golem là-bas. Avec des gens dessus. C'est génial. C'est génial en fait. Alors sinon, en fait les gens, vous avez passé un... Alors vous avez passé un bon week-end ou pas? Il y a du Korogu là-bas. Est-ce que vous avez passé un bon week-end tous? Parce que moi je pense que j'ai passé un bon week-end. Genre que ce soit dans la vie ou en jeu. Plutôt cool en fait ce qui se passe. Je vais prendre le Korogu avant de partir. J'y pars avec mon ma petite échelle hein, quand même. Je vais en faire quoi? Ah, ok, faut que je descende. J'avais pas compris sur le coup, j'étais en mode, bah, je sais pas où je vais aller en fait. T'as passé un bon week-end? Les questions, les crochets sont gris, sont en métal. Aucune idée, j'ai pas de truc d'aimant en fait. Avant, je pouvais savoir. Mais maintenant, c'est plus le cas. Hein. Oh. Les gars, est-ce que vous pensez que je me suis fait carotte hein? Vous pensez que je me suis fait carotte là les gars ou pas? Vous en pensez quoi? Le Korogu là il m'a piégé là hein, on est d'accord. Week-end ennuyeux? Oh non! Je suis pressé de sortir. Ah l'expo Harry Potter, ouais super ça. J'aurais dû emmener mes rochers avec moi. Là je me suis fait carotte là les gars. Je me suis fait carotte de ouf, là. Attends une minute. Oh! Dis-moi que ça, ça remonte. Ok, c'est bon. Ça remonte. Ça remonte, ça remonte. It's a trap! Non, c'est bon! Alors, pas tous les rochers sont... Non, reviens toi. Je suis en train de faire des bêtises, moi. Ça a marché. Pendant 2 secondes. Yeah. Oh bordel. Ah. Ça a marché pendant 2 secondes. Allez, allez. Bon allez. On y croit les amis.
Comme ça. Je reste comme ça un instant. Et je rentre. Et je suis pas du bon côté. C'est pas grave. Non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... Non. Je pense que mon plan ça marche pas très bien en fait. Je vais juste grimper à l'ancienne. Je crois pas que mon rocher soit très efficace hein. En plus, je peux même plus le prendre, il est trop loin maintenant. Shit. Il y a deux L, mais tant pis. Mais il y a même pas de S en plus, ça tant pis, donc du coup... Qu'est-ce que je te dise, moi? Hein? Hein, Gwen? Qu'est-ce qu'on dit de ça, là? Mais après, les gens, je pense qu'il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. On garde ça en tête et on garde pour plus tard. De toute façon, la semaine prochaine, je reviendrai. J'aurai vu plein de tutos sur Internet. Vous n'êtes pas prêts, hein. Hello! Oh mon dieu! Il y a le petit lapin. Il y a beaucoup de petits lapins bleus en ce moment dans ce jeu. Hein. J'ai besoin qu'il me donne de la thune, lui. Flûte. J'ai plus de flèches en fait. Il dit quoi, lui? Alors, examiner. Gros allié associé. Ah, c'est gros allié. Il est difficile d'imaginer qu'une tour de reconnaissance puisse être enneigée à ce point. Heureusement que la grotte que nous avions choisie pour entreposer notre matériel pendant les travaux était à l'abri. Il est maintenant temps pour nous de rentrer et faire notre rapport. Oh, par contre, je suis en train de crever, moi. J'ai plus rien à manger. Faudrait que je fasse de la bouffe. Hein. Si je mange des fruits de feu... Piment alors? Ouais, piment c'est mieux. Alors du coup, je vais allumer le feu ici. En fait, je me rends compte que j'ai plus de... J'ai plus rien en fait en termes de flèches. Genre ça va être mes dernières flèches. Voilà, on fait un petit feu ici. On peut attendre, effectivement, jusqu'à midi. Ton pantalon, Séros. Oui. Je fais ce que je veux. Si je veux marcher à poil, moi. Ô lune, couleur du sang. Lorsque de ta lumière, tu éclaires la terre. Les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe charnelle. Pour repartir à la conquête de cette terre. Ok, très bien, merci beaucoup Zelda. De faire revenir encore des zombies pour moi, j'aime beaucoup ça, j'adore. C'est vraiment incroyable. Je parlais d'une grotte à proximité, mais je ne la vois pas en fait. Hein. Ah si, elle est là-bas. On va voir s'il y a une marmite là-bas en fait, hein, si jamais. Ça c'est quoi? C'est des groseilles? C'est des cerises? C'est des fraises? C'est des baies? Ah! Ah, c'est tout le matos. Tout le matos est ici, en fait. Hein. Ça, c'est quoi, ça? Une truffe! C'est trop cool! Les truffes, ça donne beaucoup, en fait. Si je... Là-bas, il y a un coffre. Ils disent quoi, là-dedans? Lire le journal de Piqué. Voici le journal de construction de la tour de reconnaissance des auteurs de Geruto. Premier jour, nous sommes arrivés sur le site. Peu après le début des travaux, une tempête de neige s'est abattue sur nous. Nous avons dû nous arrêter et prendre refuge dans la grotte voisine. Nous sommes ici à l'abri et au chaud et avons donc décidé d'installer notre campement pour le temps des travaux. Troisième jour, la grotte s'est avérée plus profonde que nous l'avions pensé dans un premier temps. Nous l'avons explorée en remontant le cours d'eau.
En nous y enfonçant, nous avons entendu comme des bruits de marteau. Comment est-ce possible cette profondeur? Nous continuerons notre exploration demain pour tâcher d'en savoir plus. Sixième jour. Nous avons découvert en nous enfonçant dans la grotte qu'elle s'étend jusqu'en dessous de la tour de reconnaissance. Elle est si proche de la surface que le poids de la tour pourrait bien provoquer un effondrement. Il va falloir l'étayer sans attendre. Dixième jour. Les travaux de construction de la tour de reconnaissance sont terminés. Nous devons cette rapidité d'exécution à l'ingéniosité de Dame Prua et l'efficacité de Grosailly et associés. Grâce à leur travail en amont, l'assemblage des pièces sur le site a été d'une simplicité déconcertante. Au cas où nous devrions revenir pour des réparations, nous avons laissé du matériel au campement. J'ai hâte de redescendre de cette montagne et de m'asseoir devant un bon bol de soupe bien chaude. Ok. Donc si je suis le cours d'eau... En vrai de vrai, en fait, je vais l'arranger, elle, parce que... Je passe mon temps à cliquer sur elle sans faire exprès, là. C'est pas ouf. Je vais peut-être prendre faire un bateau, non? Un bateau. Juste lui mettre une planche et sauter dessus. Oups. Oh, flûte, regardez là-haut. Un arc Gerudo. J'ai plus de flèches. Ils avaient dit que il fallait tomber. Il est mort, vous pensez? Ah oui. Et le loot est là-bas. Le loot est là-bas, regardez. Non, le loot revient. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Putain. C'est bon, j'ai. Bon, maintenant je suis mort. Non, je suis pas mort. C'est bon, je suis dedans. Allez, sors. L'endurance, c'est vraiment problématique, hein. Salut, je vous... Toutes sortes d'avis sur le jeu, mais pas forcément du très positif, du coup, j'hésite encore. Ah bon, bah, c'est pas ici que t'auras du négatif, hein. Pour moi, je considère qu'il écrase... il écrase sans problème Breath of the Wild. Il y a un petit tunnel comme ça. Il écrase sans problème Breath of the Wild. Et c'est... forcément, pour moi, c'est un excellent jeu. Un très 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 bon jeu. Le loot est sauvé, oui, c'est ça. Topaz brut. Où est-ce que je suis? Je suis derrière la cascade. Comme d'habitude, les gens derrière la cascade, il y a toujours quelque chose. Donc les gens, ça, ce truc-là, en fait, là, en fait, on est dessous. On est dessous la tour. Hein. Donc je me mets là, je fais ça, et je rentre. Et je suis dans la tour. Les gens qui ont dit que c'est un DLC, ils ont pas joué au jeu. Hein. Ah, la porte était de l'autre côté. J'ai même pas essayé de voir en fait pourquoi il fallait passer en dessous. Et je suis passé en dessous de façon naturelle. Et ça m'a permis en fait d'y arriver quand même. Je pense qu'il faut faire du feu, faire fondre la glace, ça devrait marcher aussi, non? Bah, franchement, si tu as aimé... Moi, je veux voir du concept que si tu as aimé Breath of the Wild, tu vas aimer ce jeu.
Parce qu'il est... il reprend en fait tout ce qui marchait dans, le... dans l'autre. Et il rajoute en fait énormément de choses. Et surtout de la verticalité dans la map. Qui est juste incroyable. La carte est incroyable. Le... je suis sur le cul en vrai. Hier on était sur le cul hein. Et les gars, si au début on pouvait dire ouais faire les trucs, les tours d'observation c'est chiant etc, ils ont rendu le process sympa parce que ça nous fait voler dans le ciel et ça nous permet d'aller plus loin. En fait ça permet de s'éjecter dans le ciel et d'aller plus loin, c'est génial. En plus de regarder la carte. Ça dépend où tu l'achètes, Michel. Si tu l'achètes sur le store digital, il coûte 70 euros. Si tu l'achètes en boutique, il doit coûter entre 60 et 65. Peut-être tu peux même l'avoir à 59, certains endroits. Carte du ciel mise à jour. On a un autre boss là-bas aussi, apparemment. On a les nuages. Je traverse un nuage. C'est trop bien. Alors, du coup, je vais où, moi? Village des Piaf, les amis, hein, on a dit. Hein. Je suis ici. Je suis pas très loin, hein. Village des Piaf est juste là. Hein. Village des Piaf est juste devant moi. Hein. Faut juste que je passe ce flanc de montagne, là. Et j'y arriverai. Bon, bah là, par contre, je pourrais pas aller là-bas parce que je suis trop bas. Mais nous, on va faire un petit tour dans ce trou, là-bas. Ça vous dit ou pas? Je vois qu'il y a, il y a aussi un donjon, là. Attendez. Ok. Attends, ouais. Je suis encore très haut. Oh, MG. Allez, c'est parti. On va revoir nos grandes feux, j'espère. J'espère aussi. Salut à toi, Christ Darling. J'espère que tu vas bien. Oh là. Oh mon dieu, je suis en train de crever, moi. Et j'ai pas fait de cuisine. Oh mon dieu, j'ai oublié. J'ai pas fait la bouffe, les gens. C'est parti pour mourir. Attendez, hop. Ah. Oh, je me suis fait mal en plus. Pas sûr que mon pantalon serve. Hein. Ouais, c'est pas suffisant. Ce que je peux faire... Je peux faire... Je peux sortir ma torche. Et je peux... sortir du bois... Attends, est-ce que j'ai du silex et compagnie, là? J'ai un silex. Hein. Pourquoi prendre? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas... pourquoi je peux pas le prendre? Ah. Peut-être parce que j'étais en animation, en fait. Là, je peux le prendre? Ok. Je peux prendre avec un morceau de bois. Oh, flûte! Sérieux, Séros? Alors, morceau de bois. Et silex. Posé. Maintenant, je prends mon épée, là. Et ma petite torche. Ah, si je fous le feu partout, je vais réchauffer l'endroit. Donc ça va. Je peux pas me soigner régulièrement, j'ai vraiment... oh merde. J'ai vraiment pas assez de... j'ai vraiment pas assez de... comment on appelle ça? De bouffe, etc. Faudrait que je cuisine, mais... j'ai que des marmites à utilisation unique, tu vois, donc c'est un peu con. Laisse-moi tranquille! C'est bon? Casse-toi, là. Ah! Enfoiré!
Il m'a lancé une boule de neige, quoi. Vous imaginez? T'as des fruits anti-gel? Ah, peut-être, j'ai pas vu. Purée. Ça fait un peu peur, en vrai, hein, de descendre là-dedans. Yes! Eh ben... Ok, il y a des bombes ici. La musique, l'ambiance, tout, quand tu arrives ici, elle est à couper au couteau, quoi. Ouais, j'habite à La Réunion. Une épée normale. Les épées qui sont ici, en fait, les armes qui sont ici sont en bon état. Bon, bah ça, je vais la jeter parce qu'elle est... Elle est cassée. Fuck is that? Lyra, merci à toi pour ton sub! 22 mois d'abonnement! Merci beaucoup! Merci énormément, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien, que tu passes un bon moment. C'est vrai qu'il y a une marmite là-bas, tiens. Les ruines, elles viennent de sous le sol, en fait. Hein. Les ruines qui sont dans le ciel étaient avant ici. Elles sont sorties par les abysses pour arriver dans le ciel, je pense. Vu qu'on a des trucs sono et compagnie. Oh, regardez ça. Épée rouillée. Ah non, c'est rouillé. La chose du temps. On dit que ces choses qui auraient appartenu au héros qui a voyagé dans le temps ont été confectionnées par le peuple de la forêt. Le héros qui aurait voyagé dans le temps. Oh mon dieu. Non mais je veux bien que ce soit moi, mais j'ai pas encore voyagé dans le temps en fait, Gwen. Du coup, c'est pour ça en fait que j'étais un peu en mode wait. Est-ce que je peux, genre, juste envoyer les... Ah oui, je peux juste les envoyer comme ça. Parce que là, j'utilise des flèches, mais j'ai plus de flèches. Il n'y a que moi qui puisse éclairer les environs. Bon, par contre, vous savez, le problème quand on est sous terre comme ça, je pense qu'il faut que j'aille là-bas. Je dois aller là-bas. Je pense que ce truc-là, en fait, c'est un point de TP comme dans l'autre endroit. On a eu de la chance, hein. On a eu de la chance que le premier trou dans lequel je suis allé, il y avait justement un... Comment dire? Il y avait justement, en fait, ce point de TP. Parce que sinon, j'aurais pas compris comment faire pour sortir. Je voulais juste voir si ça, je pouvais le péter ou pas. Sont où les bombes? Je vais chercher les bombes. Hâte d'être le 17 pour mon 10e anniversaire. C'est ton... Ah, anniversaire sur la chaîne. Je pensais que c'était ton anniversaire, tu vois. Elles sont où les bombes? Je suis passé devant? Je suis sûr que j'en ai ramassé. Ah là. Oh.
J'en ai marre de moi. J'en ai marre de moi. J'en ai marre de moi. Oh my god, comment je peux être aussi... C'est bon, c'est bon. Oh putain, le jeu sauvegarde beaucoup, c'est très bien. Donc les gens, si jamais vous posez la question et que vous jouez au jeu, vous savez comment faire pour lancer un truc. Pour lancer un objet, vous avez besoin uniquement de prendre une arme sur vous. Vous prenez n'importe quelle, vous faites le bouton pour lancer l'arme, mais ensuite vous sélectionnez un objet. Et Link va automatiquement switch avec l'objet en question et va le lancer à la place. Alors bien entendu, ça va aller moins loin. J'ai l'impression d'être dans le Nether. Vous savez ? J'ai l'impression d'être dans le Nether dans Minecraft. Alors donc, ce que j'allais dire, c'est que ça, effectivement, ça va aller moins vite. Moins loin, on va dire, que si tu mettais sur une flèche. Mais au moins, ça va quand même y aller. Oh, cool. Je vais jeter pour de vrai... Attends, je vais jeter ça. Parce que lui, il est presque mort. N'est-ce pas donc, voyageur ? En vrai, ça fait du bien, en fait... De venir ici, ça donne vraiment du loot. Je pense que c'est fait exprès. Bon, on va éviter en fait de lancer des bombes sur ce truc, hein. Ça a tendance à me tuer. Du coup, moi, mon but c'était d'aller là-haut, hein. Désolé, je peux pas rester plus longtemps. Je vais voir Audif. Y'a pas de soucis, Chris. Ça va pas arriver de suite, puisqu'il y a beaucoup de VOD en ce moment. Mais parce que déjà, je poste la vidéo 2 ce soir. Et on est sûrement à la 10 ou 8. Là. Donc du coup, il y a une racine en haut, là. Mais si je regarde bien, cette racine-là est plus proche. Ici, j'ai des champis fumigènes. C'était un suicide accidentel. Sans blague. Encore une arme là-bas. C'est une hallebarde, j'ai l'impression. En vrai, ce qui rend l'exploration difficile... Ce qui rend l'exploration difficile dans ces lieux, c'est le fait que tu as... Bah t'as peu de visibilité en fait, voilà. Les âmes qui me donnent des... J'en ai 110 quand même, hein. Je me demande si les plantes vont rester, même si je pars. Ça m'étonnerait, hein, mais... C'est là que tu vois l'utilité de trucs, quoi. C'est incroyable. Et du coup, voilà, c'est pour ça en fait, que moi je dis, les gens qui disent que c'est un DLC, ben... Bro, la tour... la fameuse tour... La fameuse tour, en fait, qui permettait d'améliorer son arme. Oui, ça, c'était un DLC, tu vois. Là, clairement, non. Il y a vraiment eu de la réflexion sur comment faire mieux avec ce qu'on avait déjà. Oh putain. Merde, c'est pas ce que je vais faire. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. J'ai pas de vie pour ce combat. En gros, vous avez vu la quantité de petits esprits qu'il y avait ici. Ça, c'était pour t'attirer.
Eh. On balance des trucs à la gueule. C'est la merde. Je sais pas quand je peux désaggro parce que là, j'ai pas de vie. Je vais devoir manger des trucs, hein. Ils vont clairement me one-shot, en fait. Hein. Quasiment sûr, en plus, qu'ils sont plus durs à tuer. C'est bon, j'ai survécu. C'est bon, j'ai été désaggro. OMG. L'aggro dure longtemps, comme vous pouvez le voir. Ça dure très 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 longtemps. Donc là, en fait, ce qui va se passer, les amis, c'est que je vais essayer de trouver un chemin vers la racine. Parce que... Alors, je peux me TP à l'extérieur, normalement, si j'ai bien compris. Je peux toujours me TP. Je suis pas vraiment bloqué ici, hein. C'est juste que si j'arrive à trouver un endroit legit pour sortir, ça me permettra de... Ça me permettra en fait de revenir ici facilement, tu vois. C'est surtout pour ça à la base. Pas monter là. Je peux pas monter là. Je serre les fesses un peu quand même parce que j'avouerai que je suis en mode ah ben j'ai peut-être touché le vide. On va passer par l'autre côté, alors l'autre racine du coup parce que celle-là est inaccessible. Sachez que si je marche sur le truc rouge, ça enlève un cœur définitivement. De ce que j'ai vu. Ce qui n'est pas forcément la meilleure chose. Selon toi, il faudrait faire celui-ci avant pour comprendre l'histoire ou non? Bien sûr. Franchement, pour être honnête avec toi... Il faut faire... même si tu vas me dire que le scénario n'est pas forcément... Le scénario n'est pas forcément si poussé que ça pour ne rien comprendre aux deux. Clairement, le jeu, tu peux y jouer sans jouer au premier. Mais le 1 est tellement un banger que c'est vraiment dommage de pas y jouer en vrai. Tu vas passer un bon moment, en fait, de jouer au 1 et au 2 d'affilée, quoi. À mon sens, hein. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai fait il y a... Ben, je l'ai fait cette année, en fait. J'ai fait juste avant. J'ai refait, en fait, Breath of the Wild en début d'année. Et c'était un plaisir. C'était un véritable plaisir. C'est encore plus renforcé maintenant que le 2 est dispo, tu vois. C'est un boss. J'ai pas le loot pour ça, là. Attends, je vais le noter sur la carte. J'ai pas le loot pour me taper un boss, là, par contre. J'adore tes vidéos, jeux d'horreur. Merci à toi, Hulk, c'est gentil. Nickel. J'adore, en fait, comment le jeu te fait croire qu'il y a de la corruption partout. Alors qu'en vrai, ça va en fait. C'est... Oups. Ça va en vrai. Genre quand t'es dans le noir comme ça, t'as l'impression qu'il y en a partout. Et en fait, quand t'allumes la lumière, en fait, tu te rends compte que non, ça va.
C'est pas partout. Mais vraiment, en fait, en plus, vraiment, le 1, il vaut le coup d'être fait. Mais clairement, si tu veux pas le faire, tu veux faire directement le 2, tu peux aussi. Hein. Tu peux aussi. Hein. Le jeu, il... En aucun cas, va t'empêcher, on va dire, de... En aucun cas, le jeu va t'empêcher de... d'être fait parce que tu vas pas rien comprendre, etc. Non, le scénario se comprend dans les 3 premières minutes. C'est juste que tu n'auras pas les références des lieux, etc. par rapport à d'autres personnes, comme nous. Où on a fait tous les jeux, du coup. Nous, on sait où se trouve le village. Il y a plein de connaissances comme ça que tu n'auras pas si tu commences directement par le Party of Kingdom. Mais, pour être honnête avec toi, tu peux faire les deux. Tu peux faire le 1 sans faire le 2. Mais, encore une fois, je dis, c'est mieux quand même de faire l'autre avant. Ça... C'est une meilleure aventure, quoi. Bon, du coup, les amis, j'ai trouvé un système. Je crois que j'ai trouvé un système pour monter et aller à l'endroit où je veux aller. Souhaitez-moi bonne chance. C'est le moment d'être ingénieur. J'y arrive pas. Hein. En fait, je veux mettre le truc bien... Ah, c'est bon. Bien symétrique, par contre. C'est pas mal. Je sais pas si ça change quelque chose, mais... Apparemment, il veut pas. J'espère qu'au niveau d'équilibre, ça va se tenir. Hein. J'ai un lance-flamme, il me semble. Oh, il y a des roquettes. Moi, je vais aller où? Je vais aller... Je vais aller là-bas. Hein. Alors... On va mettre... Le... Non. lance-flamme. Vous en pensez quoi là les amis? Vous pensez que ça peut le faire? Vers l'infini et l'au-delà! Salut Connor! Bon. Aïe! OMG. Je me suis fait défoncer les gens. Alors du coup, mon problème en fait, ça aura été que je me cogne dans un arbre. Ce que je vais faire, c'est que je vais devoir bouffer un fruit. Enfin, pas un fruit, mais... C'est pas un fruit. C'est un élément qui me permet d'avoir de l'énergie illimitée pendant un temps. C'est ça. J'en ai que 3.
Non! Oh non! Aïe! Oh! Non! J'ai perdu un cœur! Bon, apparemment, il y a moyen de récupérer les cœurs. Hein. Putain, j'ai encore perdu un autre cœur. Ok, c'est super, c'est génial ce qui se passe. Genre, c'est un peu confus si vous voulez pour certains d'entre vous. Mais c'est génial. Alors là, mon problème, c'est que je ne peux pas... J'ai pas de propulsion. Parce que j'ai jeté, en fait, mais... Est-ce que je peux? Je peux pas. Alors du coup, j'ai en face de moi là, vous voyez, il y a un truc de... Ah super. Sors. Ah, c'est loin par contre, hein. Les gars, je vois pas si... Oi, 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 oi. Les gens... Ça va être coton. Parce que, genre, j'ai l'impression qu'il y a de la corruption partout. Il m'en reste combien? Il m'en reste... Oh! C'est bon. Oh my god! Je suis tombé au seul endroit où il n'y en avait pas. J'ai perdu deux cœurs, les gens. Oh, flûte. J'ai perdu deux cœurs pour pouvoir chercher ce point de TP. Hein. J'espère que c'est worth. Hein. De vous à moi, j'espère vraiment que c'est worth. Hein, parce que là... Un espadon de voyageur. Je vais jeter ma torche. Allez, c'est parti. Il y a tellement de combos de touches que c'est difficile de se retrouver. Alors, oui et non. En fait, ce qui m'embête, c'est que je passe de Xbox. Je suis passé de Xbox à la Switch. Et ils adorent inverser les boutons. La Xbox, en gros, ici c'est B, ici c'est A. Oh, vous voyez même pas en fait. Ici c'est B, ici c'est A, ici c'est Y, ici c'est X. Sur Xbox, c'est X, Y, A et B. Et du coup, j'arrête pas de confondre les boutons par rapport à ça. Donc, j'ai pas réussi la recette de... Mais pour essayer la recette, en fait, il faudrait avoir des ressources.
que je n'ai pas. Donc non, je n'ai pas testé la recette. Il y a un camp juste là. Il y a beaucoup de boutons, mais c'est hyper instinctif. Bah, c'est instinctif si tu joues qu'à la Switch, en vrai. Si tu passes de la Switch à la PlayStation et... Putain ! Ah, là, si je tombe, je meurs. Ouais, c'est instinctif, il manque si tu joues à la... si tu joues beaucoup à la Switch. J'aime pas le fait que valider soit sur le côté droit, mais bon. Après, on pourrait remap les boutons sur la Switch, c'est possible. Mais je t'avouerai que, bon, c'est un peu la merde, quoi. Les champignons, c'est vraiment cool. Ça permet vraiment de... de monter très haut, apparemment. Un grand esprit. En vrai, tous ces esprits-là, je les récupère. Pour l'instant, je ne sais pas encore à quoi ils servent. Je suis vraiment proche du point, là. Il faut juste que je grimpe là-dessus. Ce que je vais faire avant de partir ailleurs, c'est que je vais sortir une marmite. Et je vais me faire un petit truc à manger. Donc, ça va être de la venaison. Et... herbe glagla, herbe piment. Herbe volt. Un parfum entêtant de cette fleur sauvage si puissant qui peut désorienter ceux qui en respirent. D'accord. Truffe max, c'est pour soigner tous les cœurs. Champiloumos, c'est pour faire de la, la vie, enfin de la lumière. Fruits de gel. Bah, je vais juste mettre avec du sel. Et de l'ail. C'est la japonaise comme pour PlayStation, validé sur sur. Oui, c'est ça, ça a toujours été rond et croit le retour. Bah oui, parce que techniquement, c'est bon, en vrai. Parce que si tu regardes bien, si tu regardes bien, valider, c'est le rond, et refuser, c'est la croix, oui. Comme valider, c'est A, et valider, c'est A, et refuser, c'est B. Mais je sais pas pourquoi les Japonais, ils veulent, ils ont fait ça comme ça, et nous, c'est le contraire. Nous, valider, c'est toujours en bas. Du coup, c'est compliqué, en fait. C'est légèrement compliqué pour nous, mais après, bon, hein, oui. Je suppose que c'est un problème européen, quoi. Bon, le truc est là, hein. Mon but est juste là, tu vois. J'ai pas beaucoup d'endurance. Je peux passer par là en vrai. Et dis-moi que je sors pas dans une mare de miasme, ça fait rien, hein. C'est bon. Imagine le délire. Et c'est là. Allez, c'est parti. Je crois que la recette que je t'ai dit hier offre de la fortune. Mais pour ça, il faut avoir le diamant, il faut avoir le rubis, le topaz. J'ai pas tout ça. Les opérateurs utilisent la touche la plus proche pour valider, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. Nous, on essaye de trouver la touche la plus proche. Bon, là... il y a un truc... on a du sonium. Sonium, en fait, on n'en a pas suffisamment là pour augmenter les batteries, je crois. Il faut qu'on en ait beaucoup plus. C'est bon, on est proche. Alors franchement, cette expédition aura été incroyable. Ah! Bro! On va passer par là. Alors c'est juste là, mais les gars, c'est tellement haut encore.
Je suis vraiment dans un monde vraiment alternatif, hein. Aïe aïe aïe. Il y en a partout. Ok, j'ai une sortie là-bas. Mais je vais pas aller à la sortie, je veux le TP. Je veux le TP est là en fait. Comment faire pour y aller? En vrai de vrai. J'ai peur en fait que si je me mets là et j'arrive pas à traverser sous le sol. Et que je descende alors que j'ai tous les efforts que j'ai fait pour monter, tu vois. Je pense que je peux monter par là en vrai. Il y a un dragon là, faut attention. C'est tellement grand ici, c'est insane. Ah, je crois que je peux monter par là, les gars. Ici. Yes! Oh. Let's go! Mercredi. Ouais, mercredi pour l'horreur. J'y suis! Oh! J'ai retrouvé cœur! Attendez une minute. Oh my god! C'est le TP que j'avais déjà débloqué. Tout ce chemin que j'ai fait là, les amis, c'était pour revenir au même endroit. C'est celui-là que je dois prendre. Oh, je me déteste! Il y en a un autre aussi là-bas. Je me déteste tellement là! Putain, gars! Je suis un pécon, hein. Aïe, 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 aïe. Hey! Tout ça pour ça, quoi. J'ai une autre idée. J'abandonne pas. J'abandonne pas. Vous avez ban qui, moi? Oh non, ne me bannez pas s'il vous plaît.
trop lourd en fait. Ça marchera jamais. Ça marchera pas, c'est trop lourd. Il me faut un truc plus léger. C'est pas très 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 plat, on va dire. Des bananes. Je peux le casser ça? Je veux les bananes. Alors, du coup, pas ouf. Mauvaise idée. Alors, du coup, je suis déjà allé là-bas, moi. Je peux mettre des roues dessus, c'est sûr. Ce truc-là est trop lourd, en fait, pour le peu de... Est-ce que j'en ai encore des ventilos? J'en ai que deux encore. En fait, ça aurait été bien avec les ballons que j'avais tout à l'heure, tu vois. Et là, il y a des ballons, je peux même pas les prendre. Bon, on va faire ça avec ça, en fait. Ce sera plus... un peu moins lourd. Après, je peux couper les arbres ici ou pas? J'ai même pas testé. Ok. Je vais réussir les amis, je sais que pour l'instant c'est un peu obscur pour tout le monde. C'est pas joli qu'on verra les villages des Piaf. Hey! On a littéralement un live jusqu'à 19h. Ou 20h plutôt. C'est pas suffisant! C'est trop lourd encore! Je sais pas comment fonctionne le poids dans le jeu. Le poids dans le jeu, je sais pas comment il fonctionne en fait, parce que pour l'instant... Ah. Thank you.
Ok, ça marche. Alors, je vais tomber. Je dois aller là-bas. Ah ! Putain ! God damn it ! Putain ! Ça a gaspillé mon... C'est pas ça le pire dans l'histoire. C'est que ça a gaspillé mon truc là. Non mais toi viens ici toi. Ça a gaspillé mon cœur là. Oh no. Bien sûr que c'est trop lourd tout ça là. Mais les planches de bois qui pètent aussi. Oh, l'expédition pour aller de l'autre côté, c'est pas maintenant hein. C'est pas loin hein, c'est juste là. C'est juste en face. T'es juste en face, les gens. Eh, mais l'idée, elle était pas mal. Mais en fait, c'était la solidité du truc, en fait, était plutôt limitée. La solidité du truc, en fait, était vraiment trop limitée, en fait. C'est ça. C'est surtout ça, le problème. Mais je vais réussir hein. On va réussir à y aller hein. Je sais pas trop comment mais on va réussir à y aller hein. Je te jure. C'est quoi ça? C'est des lumières? Bon ben les gars, on n'a pas trop le choix, on va devoir y aller en bagnole. Parce que en fait, comme vous avez pu le voir, je suis un petit peu débilos, ça. Mais bon, ça on n'y peut rien, hein. J'avais besoin de tout ça ou pas? Ronde 2. On va pas aller là-bas. Notre objectif est là-bas.
Notre objectif est d'aller là-bas. Voilà. Avec cet appareil du bonheur. Believe! Ça marche très bien. Ça marche très très bien. Notre objectif est toujours dans... Attends, il est où mon objectif? Oh non. C'est ça mon objectif? Non, c'est pas ça mon objectif. Oh, je sais plus où il est mon objectif. Il était vers la gauche, non? Ah, flûte. J'ai failli mourir. Ok, il est à ma gauche là. Vous voyez là? Il est là-bas. Il est pas loin. Il est à gauche. Problème! Bon, j'ai perdu le véhicule. J'ai littéralement perdu, genre, combien de temps, en fait, là-dessus? Il est... Ah, ça fait 1h12. Je sais pas si ça fait 1h12 qu'on construit des véhicules ensemble. Mais je crois que là... On va dire que... Ma Jeep, elle est un petit peu perdue, là, pour le coup. C'est vraiment pas loin, hein. C'est juste là, hein. J'ai plus de flèches. Comment faire des flèches en jeu? Comment on fait des flèches en jeu? Quelqu'un sait? C'est vraiment pas loin. Si seulement je pouvais prendre mon véhicule. Si seulement je pouvais le prendre. Est-ce que je peux amalgamer les trucs? C'était in extremis, mais on l'a réussi! C'est parti! C'est vraiment pas loin, les gars. On y est arrivé, les amis. Ventilo par terre. Oui, bah est-ce que tu crois vraiment que j'ai eu le temps de récupérer ça, là? Il y a des roquettes. Le truc, il l'a.
Le truc est là. Le truc est là, les amis. Je vais peut-être réussir. Il y a des roquettes. Si je prends les roquettes. Non, faut mettre dans le bon sens. Sinon, ça va pas le faire. Ok. Roquette numéro 2. Ok. Roquette numéro 3. Là, les gars, franchement, là, vous pensez, là, c'est la meilleure idée qui soit. Hein. Je suis sûr que là, vous êtes en train de dire, mais putain, là, il a tellement la meilleure idée du monde. Ça va tellement bien se passer. Ça va tellement bien se passer. Rien de mal pour arriver là. C'était tellement la merde depuis tout à l'heure que là, franchement, il va réussir, tu vois. Et vous auriez raison. Vous auriez raison. Vous auriez tellement raison, les amis. Du coup, là, mon idée est très simple. Le truc est en face de moi. D'accord ? Le truc est en face de moi. La seule façon d'y arriver sera d'utiliser le planeur. Je peux plus utiliser le ballon parce que j'ai plus de... J'ai plus rien pour le ballon. Et contrairement à d'habitude... Cette fois-ci, je ne vais pas rester... ici comme ça, tu vois. D'habitude, à chaque fois que je prends un planeur, ça ne fonctionne pas. Mais cette fois-ci, on a mis suffisamment... Mais où es-tu? Je suis quelque part. Vous êtes prêts, les amis? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god, ça a marché! Ah! Ok. Faut juste bien gérer là. Oh. Je vole pas. Je vole pas. Si je vole, mais je pla. Non. Oui. Ah. Putain! Les gars, devinez où je suis. 4. Chier! Je suis revenu là! J'ai juste tourné en rond! J'ai juste tourné en rond! Je passe mon temps à tourner en rond dans cet endroit maudit. Bon, c'est pas grave. Je finis par sortir d'ici, hein. 2 heures dans les abîmes. À rien foutre. 2 heures dans les abîmes à tourner en rond. Bonjour, je m'appelle Céros et je tourne en rond. J'adore ça. Bon.
Je suis trop investi là-dedans pour... Mais c'est pas possible, quoi. Il y a une grotte. Ah, mais bien sûr. Le passe-muraille. Ça s'appelle infiltration. D'où t'appelles ça passe-muraille, toi? Putain, pourquoi j'ai pas pensé ça dès le départ? On va peu se poser la question d'utiliser cet épisode. Ça s'appelle de l'exploration, ok, mademoiselle? Ça ne marche pas! Ah, je suis un peu déçu, là, je t'avouerai. Ah, si j'avais un... Si j'avais quelque chose pour tirer une flèche, ça aurait été pas mal, mais j'en ai pas. Donc, du coup... J'ai envie de te dire... Hein. Ah, peut-être ici. Ici, ça marche! Hello! Hello, hello! Normalement, c'est par là. Yes, encore! Mort! C'est parti! Ouais, je galère, ouais! Salut à toi! Eh ben écoute, ça avance! Oh, je suis dans une petite grotte! Les racines, j'y suis en fait. J'y suis. Ouais, alors si je tombe là, je meurs. Allez, allez, on y croit. Mais bien sûr que je dis que ça avance. Où est-ce que je suis? C'est là! Mais alors c'est pas avancé ça? Si ça c'est pas avancé, c'est quoi hein? Bon, j'avoue que on a eu beaucoup d'idées depuis le départ qui auraient pas dû exister. On aurait dû arriver ici depuis longtemps. Ça c'est pas avancé, je sais pas ce que c'est. Ça s'appelle de l'exploration. Je suis rentré dans un trou et j'ai été perdu pendant 2 heures. Je veux dire, ça va, ça aurait pu être pire. Non, ça fait seulement 1h20. Même pas 2 heures. 1h20. Donc ça va. Téléportation obtenue, super. C'est comme une tour en vrai. La racine illumine. D'accord, du coup ça illumine vraiment en dessous. Et ça me soigne tous mes cœurs. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Alors, du coup, regardez. J'ai pu... Oh, regardez ça les gars, comment c'est grand en dessous. J'ai obtenu ici et j'ai obtenu ici, tu vois. Donc, j'ai envie de te dire, c'était quand même une belle chose. Alors, la carte est illisible, par contre. Le nombre d'esprits qu'il y a là-bas. Parce que pour l'instant, je ne sais pas à quoi servent les esprits. Hein.
qu'on aura tout éclairé. Qu'on aura tout éclairé, les amis. Voilà, la prochaine racine est là-bas, tu vois. Mais qu'on aura tout éclairé, on aura une meilleure appréciation, on va dire, de l'endroit. Mais ça... On va essayer de quand même se trouver un petit chemin pour sortir, tu vois. Parce que si je sors là-bas, je vais m'éloigner de ouf. Donc ça, j'étais... Hop. Effacer la balise. Ça, c'était l'endroit où j'étais. Il faut que j'arrive à trouver un endroit où je peux sortir. À quoi ça ressemblait? Ça ressemble à ça? Non, c'est le trou pour arriver. Là, je suis arrivé par ce trou-là et la balise était ici. Il faut que je trouve un endroit pour remonter en surface. Genre, souvent, ça a l'aspect d'un espèce de une grande tour qui monte tout droit vers le ciel. Tu vois? Et là, j'ai pas l'impression d'en voir. En tout cas, pas dans les environs immédiats, tu vois. Ça, c'est chiant. Parce que si je me TP à l'extérieur, je vais être très loin de l'endroit où j'étais, hein. J'ai envie de te dire flûte, hein. Je me demande si je peux pas, juste sous l'arbre. Si, vu que c'est un arbre qui a une racine, tu vois. Je peux pas juste... ça aurait été trop... Oh si, ça peut, regarde. Tu peux te TP à la surface. Je peux me TP, mais... Ah. Je peux me TP, mais mon problème, en fait, si tu veux, c'est que je me TP. C'est bien beau. Je me TP, c'est bien beau. Mais mon problème, c'est que je serai très loin de l'endroit où je suis entré dans le trou, tu vois. Parce que mon TP le plus proche en surface, je suis entré dans ce trou-là, tu vois, il était là. Et mon TP le plus proche, ben, il est là, hein, il est loin. Bon, c'est pas grave. Ce sera toujours plus facile que de galérer sous terre. On refera de l'exploration souterraine. Hein. On refera de l'exploration souterraine pour voir un peu ce qu'il y a. C'est genre, on a récupéré déjà un pantalon. Les mecs, 30 heures de jeu, on a enfin un pantalon. D'ailleurs, il n'est pas équipé le pantalon. C'est littéralement le pantalon de... C'est le pantalon, en fait, de Link. Putain, il y a un sanctuaire, là. Je l'avais vu, en plus. Il y a trois sanctuaires, en fait. Il y en a un, là. Il y en a... Un, ici. Et dernier, là, je vais le faire. Je vais te spoil. Merci beaucoup Gwen. Mais pourquoi en fait? C'est quoi l'intérêt? Pourquoi les gens font ça? Oh merde. Flûte. Oh, y a des loups. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un feu de camp. Chica chica.
J'ai besoin du silex. Je sais pas où il est le silex. J'en ai... Il est là, le silex, à gauche. Maintenant, je vais prendre la marmite. Parce que j'ai une marmite, normalement. Il me reste pas beaucoup. Voilà. La marmite qui correspond à la gravité et tout, j'adore. Prendre. Ensuite, je vais mettre beaucoup de piment dedans. Voilà. Il y en a, ils ont des problèmes, ouais, c'est clair. Hein. Antifroid. Voilà, on va pouvoir manger ça. Hop. Antifroid pour 10 minutes. Toi, par contre, viens ici. Donne-moi ta viande. Mon Dieu! Vous avez vu à quel point... Vous avez vu à quel point, en fait, je prends cher. Hein. C'est incroyable. Hein. Prendre. Sel. Bah en fait, les loups me font très très mal. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Mais en fait, tout le monde me fait très mal dans cette zone. Mais en fait, comme dirait Gwen, peut-être que je suis juste trop faible. Mais techniquement, je devrais quoi? Avoir déjà 8 cœurs quand j'arrive ici? Parce qu'un loup qui te fait autant de dégâts, peut-être que c'est au niveau de l'armure. Mon armure n'est pas améliorée aussi. C'est sûrement ça, surtout. Je pense que mes vêtements sont pas améliorés. Donc, il faut que je retrouve les fées. Je savais où elles étaient auparavant. Je suppose qu'elles sont toujours au même endroit. On va faire ce sanctuaire. Ça va changer un peu les idées après avoir passé 40 minutes à crafter dans les sous-sols, dans le noir. Là, on va faire des trucs sympas. Sanctuaire of Tuma. Oh, bah, j'ai même pas besoin de faire grand-chose. C'est un sanctuaire gratuit. La zone des pierres est tout aussi difficile que celle des Gerudo. Ah! Bah, ça va être rigolo. Bah, ça va être très rigolo. Donc, du coup, en fait, Gwen, quand tu joueras au jeu, fonce directement vers les auras comme ils ont dit hein, dans. Zora plus facile que le reste, hein, apparemment. Je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression que tous les ennemis me one-shot. Genre, j'ai beau avoir 5 cœurs, quand ils touchent, je perds tous mes cœurs d'un coup, tu vois. Donc de là à penser que mon personnage est une chips. Donc je peux continuer tout droit pour aller à hauteur de ma tite. Et je vais pouvoir aller... En fait, c'est cool parce que les deux sanctuaires que j'ai repérés sont vraiment juste devant. Alors, est-ce que je peux... utiliser des trucs ici. Oh mon Dieu, il est déjà construit en fait. J'ai juste besoin du truc de commande, en fait, là. Mais il avait un autre par terre, là. J'adore quand le jeu, en fait, te donne des trucs déjà tout faits.
Allez, go, j'utilise comme ça. Oui. Yaha. Ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na-na-na, na-na-na-na. Na-na-na-na. Oh my god. Non. Alors... Ouais... Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être faire le tour, tu vois. La même, Zora, Piaf et Guerouille 2 et Goron. Le loup, il a peur, regardez. Yaa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 
Je vais rien entendre. Hein. Incroyable. Hé hey Kratos, comment tu vas? Kratos, il est méchant. Mais c'est pas vrai! Je vais jamais avoir ce coffre, hein! L'énigme la plus simple du monde! Attendez. Ah ouais, on peut pas en vrai. J'en ai marre. Fallait faire un truc ici? J'ai la clé ou pas? Non, j'ai pas la clé, attendez, j'ai récupéré... Je sais même pas ce que j'ai récupéré dans le truc, en vrai. Wait a minute. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? What the... Elle est où la clé? Qu'est-ce que j'ai pas vu les gens? J'ai vraiment raté la clé là? I don't understand. On va rester bloqué ici 3 heures, c'est parti. Salut à toi, bonjour, bonjour, hurlons. Ah putain, ok, alors c'est bon, j'ai bon. Deux secondes, j'arrive, j'ai une meilleure idée. Je le vois pas. Ok, c'est bon. Je voulais faire un truc, mais c'est bon au final. J'ai pas besoin. Vous trouvez pas que je galère beaucoup pour pas grand chose?
Re, j'ai raté quoi? Moi qui galère, pour pas grand chose. Là, vous me voyez en galère, en fait, avec mon cerveau qui chauffe, alors pour rien, en fait. Ça peut être frustrant, en fait, pour vous. Je suis désolé, hein, si c'est le cas. Quoi, c'est Rose galérer sur un jeu? Mais non! Je vois pas de quoi tu veux dire. Tu es totalement innocent, monsieur. Non mais... T'as pas voulu aller au festival geek avec Caro? Elle m'a dit que c'était, ça va être chiant. Elle m'a dit de pas venir. Du coup, je suis pas venu. C'est pour ça que je suis live. Mais en vrai, elle y va en tant que... Elle y va en tant que jury. Moi, j'y serais allé en tant que visiteur. Il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Elle a fait des stories ? Ah. Je vais voir. Bonne... Ah, si. Elle est toute mignonne. Elle est vraiment toute mignonne. Son cosplay est trop... Son cosplay est trop... Est trop mimes. Mais en vrai, Caro, en fait, elle a ce don, en fait, pour faire fondre mon cœur, les gens. Lui dites pas, hein, répétez pas. Hein. Mais elle a un don particulier, c'est incroyable, en fait. Genre, je sais pas ce qu'elle... Elle fait un truc avec son visage qui fait que j'arrive, je regarde, je fais... Oh. Vous voyez le délire? C'est abusé, hein. Bon, est-ce qu'il fait assez froid? Non, je peux mettre mon pantalon normal. Ouais, je suis habillé en Link. Hello! Vous êtes tous trop durs pour moi, donc je sais pas pourquoi je suis une chips. Du coup, je m'en vais. Il commence à pleuvoir en plus. Bah, je voudrais même plus escalader, c'est génial. Ça, c'est un Korogu, ça. Hein, c'est obligé. Obligé que c'est du Korogu, ça. Regardez-moi ignorer le Korogu. Je vais l'ignorer. Alors, mon autre temple est là-bas. Mais moi, si je veux aller au... Oh, flûte. Oh, flûte. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Dégage. Espèce d'argent, quoi. Argent sur patte. C'est tout ce que t'es. Il est où le caillou qui est tombé là? Parce que en soi. Non, j'ignore le Korogu. J'ignore. Ce caillou là, il vient de tomber là, non? Non. Absolument pas clip. Non, clip pas, non? Est-ce que je peux compter sur vous pour, au moins pour une fois? Putain, c'est juste là en vrai, je vais y aller en vrai. Hein. En fait, à la base, je voulais pas y aller, je me suis dit, c'est loin et tout. Alors, je peux comprendre, ici dans cet endroit-là, particulièrement, c'est pas très beau. Hein. Je peux comprendre les gens qui critiquent les graphismes du jeu en disant, ouais, il est pas beau votre jeu et tout, nanana. Alors, oui, il y a des endroits comme par exemple, grand désert comme ça, c'est pas ultra beau. Mais dès qu'on est en forêt, dès qu'on a. D'autres décors sont beaucoup plus jolis, tu vois.
C'est quoi ça? C'est des écureuils? Écureuils! On va pas manger les écureuils. Hein. J'ai une flèche. J'ai une flèche et c'était pour tirer sur ce truc. Pomme de pin! Ah, ça fait de l'huile! Ah. Épée rouillée. Ici, on a des ronces. Alors, le truc, c'est que il y a le... Alors, un truc plus rigolo encore, c'est que je peux prendre cette épée et je peux faire amalgame. Ah non, je peux pas. Autant pour moi. Je pensais que je pouvais faire amalgame sur ce truc, mais en fait, pas du tout. Du coup, je vais pouvoir faire cette épée-là et amalgame et en même temps sur ce truc-là. Ouais, sauf qu'il pleut. Et comme il pleut, je ne peux pas. God damn it. Comme il pleut, je ne peux rien faire. Oh, mais je vais ouvrir le coffre. Si, imagine, il y a des diamants dedans. Imagine. Est-ce que je peux, avec ce rocher, empêcher que la pluie ne tombe au-dessus du coffre? Ça marche! Si, tu peux, Gwen. Bien sûr que tu peux. Bon, ça marche pas vraiment, parce que ça s'est éteint. La pluie, c'est quand que tu t'arrêtes? C'est bon, ça va s'arrêter en fait. On va attendre que la pluie s'arrête en fait. Bramble. C'est ça en fait, c'est des brambles. Elles sont en train de nous gêner là. Ah super, ça s'arrête. Vous vous en rendez compte quand même, on est obligé d'attendre que la pluie s'arrête. La beauté, c'est pas que les graphismes, c'est aussi la direction artistique, l'identité, si ton jeu c'est pas des deux choses, super énormément. Oui, alors par exemple, j'ai joué à un jeu qu'il faudrait que je vous fasse en vidéo parce que on m'a tapé sur les doigts en disant « Ouais, t'as récupéré le jeu, mais tu l'as jamais fait en vidéo !» Je fais « Ok, je vais le faire. » Et du coup, en fait, en gros, ce jeu s'appelle Joe l'Aventurier. Le Joe l'Aventurier, c'est un jeu qui est fait sous l'Unity Engine. Donc techniquement il est très beau, d'accord? Techniquement c'est un très beau moteur de jeu et le jeu a des textures en 4K, tout ce que tu veux. Mais la direction artistique du jeu, elle pue du cul. Ce qui fait que au final, même si le jeu est très beau, eh ben il est à la fois beau et moche en même temps. Et ça t'es en mode, bro, comment c'est possible? Ils ont réussi à faire un jeu beau et moche en même temps. Ok, ça ne marche pas. J'ai récupéré un gland, hop. Je vais couper un autre arbre. Alors, je fais le mercredi horreur. Je fais le mercredi horreur. Si je fais mercredi horreur et je fais lundi horreur, ça va faire semaine horreur en fait. C'est pas le but. Donc non, je vais faire que le mercredi horreur. La suite de Dora. Mercredi, on le fait, Rémi. On a dit en plus hier. C'est pas Dora en plus, hein, c'est Amanda. Hein, d'abord. Dora. Vous allez faire quoi demain en fait pour la plupart d'entre vous?
Genre, c'est l'école, c'est le travail, c'est quoi? Faudra y penser. Ouais, normalement. Alors, normalement, on va. On va le faire, donc du coup. J'espère juste que je vais pas oublier. Ou alors, s'il y a Outlast qui sort mercredi, les gars, c'est mort pour Dora. Hein. On va faire Outlast, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Ah. 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 Wait a minute. Haha. Mais j'ai tellement pas besoin de... Attendez. Ok, c'est bon, j'ai compris. Alors, du coup, je vais empiler correctement ces deux trucs-là. Je vais les mettre sous la grille. Bah, c'est pas collé. Je vais les mettre sous la grille. Là, par exemple. Et je vais les empiler correctement. Et je vais monter. Correctement, j'ai dit. Voilà, bien, parfait. Et je vais monter là-haut. Hop. Limite, on oublie, quoi. Ouais, c'est le jeudi juste après. Outlast, c'est le jeudi? Ah, cool. Oh, bah, flûte, alors. Donc, du coup, c'est jeudi, Outlast? Ça veut dire qu'on va enchaîner des jeux d'horreur sur deux jours. Oh là là. Oh là là, ça va être beaucoup trop de jeux d'horreur. Oh là là. Baguette magique. Oh, ça fait longtemps. Je vais remplacer ça par... cet espadon rouillé. Et est-ce que je peux... genre faire ça. Amalgame. Alors, je sors comment d'ici? Comme ça. Je vais montrer un truc. J'ai pas envie de descendre, ok? Du coup, je vais le faire ça. Je vais le monter ici. D'accord? Maintenant, je vais faire remonter le temps. Et je vais reprendre ça. Et je traverse. Oh my god, c'est trop bon. Est-ce que c'est bon ou pas? C'est parfait ou pas? Est-ce que vous aimez? C'est ça que vous vouliez, du skill? C'est du skill que vous vouliez? Bah voilà, je vous en donne. Cette manche. Ah bon, oh regardez, il y avait un passage ici ou bien ça, ils l'ont libéré quand on a fait la mission. Bah en tout cas ça s'est fait, hein. Du coup il y en a encore un autre qui est un peu plus loin là. En vrai si on fait le chemin comme ça, on peut arriver au village, hein.
on peut arriver au village, tout simplement. On va arrêter la VOD ici, les amis. C'était une vidéo exploration sanctuaire. Pas trop de quête principale parce qu'en fait, je me suis perdu. Ouais, ça arrive. Donc, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Partagez avec vos amis. Pouce bleu. Et rendez-vous sur Twitch.tv/Saceros pour voir les autres épisodes en live, enregistrés, tout ça, tout ça. Voilà, toi-même, tu sais. Bisous tout le monde. Bye bye.